tout avec les gens qu'on aime, on voit des belles choses. Génial. C'est super, il y a une bonne ambiance et pour tous les âges, puis c'est vachement bien fait. C'est super le Saint-Nicolas. C'est formidable ce soir. C'est une joie indescriptible. J'avais jamais vu ça, c'est extraordinaire. Il y a plein de trucs à regarder, c'est magnifique en fait. Moi j'aime bien parce que c'est beau, il y a plein de décorations, c'est illuminé. Il y a plein d'enfants qui sont contents, c'est génial. Des spectacles, des animations, c'est devenu vraiment quelque chose de grandiose. Il y a plein de beaux chars qui sont vraiment magnifiques, qui sont très grands et je pensais pas qu'ils seraient aussi grands. Avec la musique et tout ça, la femme qui chantait, j'ai trouvé ça super beau. Il y a une grande technique et puis il faut avoir vraiment beaucoup d'idées. C'est vraiment impressionnant, il y a des chars vraiment incroyables et ça fait rêver. Et puis ce qui impressionne toujours, hein, c'est le père Pétard. Il est encore plus méchant qu'avant. Mais c'est le Saint-Nicolas le plus gentil au monde entier. C'est assez magique de voir toute cette ambiance et tous les chars défiler avec les différentes associations, les MJC, les différentes villes de la communauté de communes. C'est très impressionnant. Si je devais leur donner une note sur 20, ça serait 20. En plus, avec tout le temps qu'ils devaient faire les maquettes et tout ça, les déguisements. Je pense qu'il y a un énorme travail derrière. Et puis ça fait partie de la culture de Nancy, je pense. Et puis, c'est vraiment très, très beau. C'est important de garder nos valeurs, notre culture et nos traditions, surtout. Venez, il y a beaucoup de lumière, il y a de la bonne musique. On s'amuse bien, on reçoit des bonbons. Le défilé, c'est un moment spécial. C'est un moment en famille.